m'a combattre ça. M'a de parti politique vient pour pouvoir là. Faut qu'on ait solide, sérieux, neutre qui a une capacité contre compétence qui au-delà des partis, au-delà de tous les secteurs qui est capable de réunir tout secteur privé, tout parti politique. M'a pas prendre pouvoir et puis moi mettre un chef parti. M'a pas négocier avec une équipe nègre et puis un chef parti vient président. Gagne élection pour ça. Donc monsieur, moi-même, c'est comme ça que je pense. Nous allons recevoir tout à l'heure les dérangeants. Marco, c'est comme ça que je pense. Bon, c'est selon ça, nous avons suivi là, ici, dans le pays d'Haïti. Donc, moi-même, je vais suivre acteurs politiques. Je vais essayer de voir qui j'en ai agi, qui comportement que j'en ai gagné. Et je pense que le regard gagne en tout et la population gagne. Dernier temps, je prends plus de temps pour moi pour me donner des gens qui ont soi-disant dit si c'est leader politique ou mes acteurs politiques dans le pays. Je me donne des puisque demain, après deux mois, depuis qu'ils ont assassiné Jovenel Moïse, et pour que j'en gagne en entente, en protocole, qui permettent que plus ou moins nous connaissons qui ça y a fait avec le pays. Même parce que je dis, il faut que les gens qui sont dans le pays, qui considèrent être comme acteur politique, comme leader en société civile, il faut que tu as plus ou moins montré que tu as une capacité que tu as, le leadership que tu as dégagé pour faire des barrages dans le pays. Mais, et pas ça nous est, plus après un petit temps pour me suivre. Mon yon l'acteur yo, pour me garder, ça y a bail, ça y a pour me mettre, est-ce que à la hauteur des défis que nous gagnons là aujourd'hui dans le pays d'Haïti, puisque un peu partout, le pays a gagné sécurité là-dedans, un peu partout, le pays n'a pas qu'à fonctionner, et dans presqu'île du sud là, et mon fait politique a eu presque fait oublier que mon yon qui n'a NIP, qui n'a Sud, qui n'a Grandance, qui n'a pas joué aide, surtout les gens qui sont dans la section communale, parce que moi, Mali, moi, les gens qui n'ont pas joué rien, mais chantage continue à faire dans Port-au-Prince pour ne jouer un poste ministériel, pour ne jouer une direction générale, pour ne capable de mettre exécutif, soit monocéphale pour aucun bel, soit bicéphale pour mettre, pour ne mettre les gens pas haut, estimer qui c'est Jean-Garry Sodi, la première encre. Des nègres qui écrivent au pays, que tout le monde connaît. Je me toujours dit ça et je me dis encore, les gens m'attendent depuis 40 ans. Donc ça veut dire que vous êtes toujours là. Les gens ne sont pas présentés toujours comme alternative, puisque vous êtes toujours là. Et c'est vous qui mettez dans tout ça nous là. Et à chaque fois, nous relayons. Même quand nous avons une équipe pas capable de résultat, l'entraîneur change pour changer. Les joueurs commencent à vieillir. Pour remplacer ou pas jouer avec plus jeune, pour l'équipe la carité, pour l'équipe la continuer. Donc je dis à Barcelone, on batterie de joueurs en 2009-2010. Il y a une balle encore, mais Barcelone continue à être obligé de mettre l'autre joueur pour qu'il joue. Mais en Haïti, semblait, si son équipe de football nous a fait, semblait à 40, 50, 50 ans, et même les gens qui ont souterrain tout le temps qu'à jouer, parce qu'on dirait celle qui ont joué, même les gens ne vont jamais faire l'équipe là, pas de résultat, mais ils ont pour toujours jouer. Et ça fait me comprendre. Et ou bien ça rappelé moi, les petits timoun, les nègres qui jouent au football, les nègres qui gagnent ballon, ils te mettent bouquet. Pas les nègres qui mettent le dehors sur le terrain, il faut continuer à jouer. Même les nègres qui n'ont rien à faire. Donc j'ai l'impression, ballon Haïti, ballon démocratie, et dans le pied, moun sa oulié. Donc, et comme ballon est pour oulié, même les nègres qui n'ont pas joué, il faut toujours sur le terrain. À chaque fois, même les nègres qui ont tombé ballon, levé avec, mais il faut que vous sur le terrain tout le temps. Bon, je vais citer quelques nègres avant hier, ils ont dit mieux fâché. Bon, monsieur n'est pas fâché pour nous fâcher. Et c'est réalité là, pour nous garder, parce que je ne vais pas dire rien que pas vrai. Et ça qui arrive que nous voulons tuer, parce que moi, je n'ai pas fait un peu de menace, je ne vais pas occuper nous. Et qu'on a un bagage de pression à Bamoué, puisque si nous tuons le président, et pas moi, un bagage de tuer, qui a tué n'importe qui, nous avons tué Jean-Dominique, nous avons tué Briol Ledor, nous avons tué Jacques Roche, nous avons tué un peu de monde. Donc ça veut dire que l'autre jour là, nous tous les bâtonniers, c'est-à-dire que nous tuons plus le monde dans le pays, et pas moins nous allons tuer. Donc, mais en attendant que nous tuions, moi-même, je continue à parler. Et les mourir parce que l'autre monde tout cap là pour continuer à parler. Et comme c'est politique, nous-mêmes, nous venons faire pendant 50 ans, 70 ans, même les barrières, nous avons fait gros roche dans cette zone-là.
Donc tout pays a continué à garder nous, à rire nous, à faire blague sur nous. Donc un peuple qui n'a pas de maturité, qui n'a pas de capacité pour résoudre rien comme problème. Donc ce tableau ça oui, mon cap vivent à l'extérieur, qui pas haïtien au gain de nous. Et en pile monde tout haïtien qui vivent dans la diaspora, commencer à garder Haïti en l'autre gens, puis estimer sembler son pays qui pas font pas la extrêmement difficile. Donc capable nous avons invité. Oui, donc avant en fait avant que nous recevions invité, tu fais un point. Maintenant, moi je pense que c'est faut que moi dit que c'est une bonne chose que Premier ministre Ariel Henry a fait des démarches pour que les joignent un consensus. Et en fait, les déplacer la loi président Lambert et il rencontré plusieurs autres monde SDP, donc un objectif pour joindre en issue à crise. Et en fait, il croit que selon lui-même, faut que c'est lui-même qui gagne tout pouvoir et lui a marché parler avec plusieurs autres secteurs pour renforcer comme le premier ministre et président en même temps qui lui-même a la possibilité prendre un ensemble de décisions. Moi, je pensais que c'est pas mauvais, mais maintenant face à crise. Et moi, je voulais ajouter tout. Excusez-moi, okay. Je voulais ajouter tout. Et pendant que la famille a signé la commission, même famille a ça rencontré Ariel Henry. Okay. Bien. Information importante. Même famille a ça rencontré Dr. Ariel Henry. 107.7 FM. Maintenant, j'aime t'ab dire, c'est que dans la démarche pour que nous joignons une solution à crise qui vient aujourd'hui, donc PM nan, après rencontrer Moun, mais il y a de Moun qui a posé des questions. Maintenant, est-ce que ça n'est là sous table là, l'inormal pour que Premier ministre qui gagne en partie de légitimité selon quelques Moun par rapport avec choix président est fait et pour que lui-même l'a demandé Moun venir renforcer pouvoir. Or, c'est crise là que au besoin résoudre. Est-ce que aussi facile et information que nous gagnons, qui ne sait pas une information que nous gagnons aujourd'hui, hein? Négociation que PM Ariel Henry a fait, un ensemble de problèmes qui gagnent dans le gouvernement qu'il a dirigé, hein? Et un ensemble de ministres qui dit eux-mêmes qu'il a défendu vision président Jovenel Moïse, c'est le cas du ministre des Affaires étrangères, ministre de Justice, là. Et négociation t'a déroulé sous tête Mounzaïo côté que PM Ariel Henry prêt pour remplacer Mounzaïo avec des monde qui dans secteur démocratique ou bien des monde qui dans l'autre secteur. Kounien, est-ce que forme de solution ça pas pral mener à un éclatement, à une crise en dedans pays qui pral plus puisque monde qui t'a défendre Jovenel Moïse aujourd'hui, il y a de questions y a poser tête yo. Pour qui ça PM nan à tout prix voulait remplacer Mounzaïo, soit au niveau ministère de la Justice. Est-ce que justice a demandé pour le président Jovenel Moïse l'a aussi facile pour remettre le ministère de la Justice bail un groupe qui est en face au président qui était en fait dit marché prendre yo ka Vilboin Guillaume Samni. Puisque c'est politique qu'a fait. Est-ce que le premier ministre a pas gain l'autre stratégie pour l'utiliser pour le continuer avec négociation déjà à la base, tout le monde connaît dans la politique. Quel que soit le démarche qu'on fait, l'on va discuter avec l'autre acteur pour venir renforcer le pouvoir. Il y a un point d'interrogation sur ça. Depuis qu'il Haïti est habitué avec le gouvernement, question de exécutif monocéphale, pour que je dise un ensemble d'acteurs, si ce n'est pas ta par hypocrisie, ou bien parce que gon morceau nan gato yo t'a joine qui pral di nous d'accord PM Ariel Henry renforcer pouvoir ou son après Dieu même Jean président Jovenel Moïse te dit donc jodi c'est ou seul chef et seigneur si c'est pas ta pa hypocrisie l'a difficile pour rentrer là parce que grain bagarre mon a gardé si par exemple secteur démocratique lanté dans premier tweet met André Michel lanté dit li pas gain légitimité li pas légal. Il n'y a pas de provision légale pour le faire au gouvernement. Comment je dis, c'est même lui-même qui a été en légal parce qu'il chita avec. Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que les gens qui ont défendu le président Jovenel Moïse, gardez ou que PM Ariel Henry entendent sur le plan international par rapport à
bataille qui était faite qui fait que en pile moun jodi par exemple ouais docteur Claude Joseph mal dans décision que président il prend dans question vote Venezuela et en pile moun comprendre que vote ça mener pouvoir jusqu'à ce que président choisit docteur Ariel Henry ministre justice par rapport à problème qui gagne dans justice là remettre ministère ça ba un ensemble de monde qui t'a goumé en face président Jovenel Moïse en face pouvoir qui gagne là qui côté l'a mené bref soit ensemble de interrogations qui gagne non démarche que PM Ariel Henry a fait pour que le renforcer prend une série de décisions positives pour pays hein? Est-ce que ça va pas déboucher sur l'autre crise? Est-ce que ça va mettre PM Ariel Henry dans situation pour le bail sale pas posséder et même faire appel à un ensemble de monde qui peut-être pral vin aider pour le joindre pour le séparer parce que pays en déjà pas gagné assez. Et là on met en situation pour renforcer tête ou prêt pour bail toute bagaille. Et non bail toute bagaille là pour PM Ariel Henry ka li même seul monde qui a dirigé dans pays hein. Quel est l'autre monde qui t'a dit? Est-ce que vraiment nous sérieux? Est-ce que nous sérieux? Démarche monocéphale. Est-ce que nous sérieux? Est-ce que acteur politique a rentré là-dedans pour sauver le pays d'Haïti? Ou bien parce que vous suspectez, si vous gouvernement ou exécutif bicéphale, ça pour vous joindre, vous pas joindre encore. Donc, professeur, n'a pas marché pour la vie, puisque ce n'est pas pour la mort, n'a pas avancé, à quoi vous en pile? Et l'on lit plusieurs accords, nous trouvons que gon bon sens qui dégageait dans l'accord que, ou même Maître Gédéon Jean, marché pour la vie, même Jean pile, gan pile bon bagaille dans tout accord. Yo. Donc maintenant, nous comptons recevoir et puis vous pouvez présenter vite fait l'essentiel qui est dans l'accord, qui fait différence par rapport à l'autre accord yo, et que vous pensez que nous allons aller là. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, campagne. Bonsoir, Marco. Bonsoir GPPC, bonsoir toute auditrice, auditeur, téléspectatrice, téléspectateur qui suivent l'émission Haïti Débat. Donc c'est avec plaisir que nous partageons le panel là avec nous pour nous capables de porter contribution dans la réflexion qu'a faite pour nous capables de joindre des éléments de réponse, des pistes de solution à un problème que le pays a bien. Marché pour la vie, nous-mêmes en tant qu'on structure qu'il a pour faciliter. Donc, qui n'est pas acteur, c'est-à-dire qui n'est pas en position, qui n'est pas en position. Nous tenons démarche depuis au mois de mars. Qui sa démarche l'antéye? C'était encourager politique pour y arriver à conclure un accord entre eux. Pour qui ça? Nous-mêmes nous baser démarche sur l'analyse des rôles campagne. Mm-hmm. Puisque dans la dynamique démocratique, chaque monde a un rôle pour jouer. Par exemple, ou même là, qui a fait des analyses très pointues. Cap éclairer l'antenne et population ce public là on gros rôle qu'on a joué politique là lui-même il gon rôle l'a joué parce que lui-même c'est lui-même cap dit consacrer population et bien sous voter sous bon pouvoir m'a fait mieux ouais lui-même objectif premier c'est prendre pouvoir ou même on l'a bail des éléments d'analyse pour participer dans la compréhension opinion pour aider population comprendre comme dicteur d'opinion comme financeur marché pour la même il dit la facilité qui ça facilité politique yo comme acteur au premier plan dynamique pour prendre pouvoir, pour arriver à mettre tête ensemble, proposer une alternative. Et dans quel contexte marché pour la vie émerger, c'est dans le contexte côté que tu as en pile mobilisation pour dénoncer dérive, dénoncer velléité dictatoriale, dénoncer vassalisation institution. Bref, dénoncer ensemble de actes administration Jovenel Moïse t'a posé qui pas conforme à la démocratie, à la norme. Mais à un certain moment, nous poser peut-être une question ça. N'a pas dénoncé des reviews, c'est vrai. Mais parti politique eux-mêmes, qui ça yo proposer comme alternative? Et nous-mêmes comme société civile, qui s'en capable porter comme contribution? Du coup, nous t'ai encouragé politique, nous dit monsieur, attention, on fait politique, on critiquer et gouvernant, c'est très bien, on critique l'administration Jovenel Moïse là. Mais si pour une raison ou l'autre, par exemple, président a démissionné ou bien t'a gon en vacances qui produit et pour parler l'élection, qui discours pour quelqu'un pour faire mieux et gouvernance publique qui j'ont conçu voile. Donc monsieur, tu comprends la logique là? Donc nous t'ai fait environ deux mois
a discuté avec vous, a aidé à encourager vous. Il est arrivé à conclure l'accord 5 juin. Donc, l'accord 5 juin, c'est à partir de l'initiative que Marché pour la vie te prend. Bon, c'est pour un accord qui était inclusif, mais quand même, c'est ton premier étape. Maintenant, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la condition que nous connaissons là, Marco, vient gagner. Pour nous-mêmes, il y a une crise dans la crise. Il y a la crise conjoncturelle que nous connaissons. Nous avons dénoncé des institutions qui dysfonctionnelles, par exemple le Parlement, la justice qui n'a pas existé. En fait, qui est dysfonctionnel de fait, qui vient dysfonctionnel du droit avec le décès du président Sylvestre et la non-accès aux services publics, violation des droits fondamentaux. Maintenant, lorsque le président Jovenel Moïse mourut dans la condition qu'on est, le 7 mai à Vingon, on nécessitait pour ou combler vide ça. Parce qu'en réalité, c'est vrai que chaque institution a un rôle. Le Parlement, on connaît que mission fondamentale, c'est faire des lois en fonction des besoins de la cité, contrôler l'action gouvernementale. Mais exécutif, là, même le président de la République, c'est lui-même qui symbolisait l'État du point de vue du droit international. Et c'est lui-même qui engageait l'État au niveau de la société internationale. Donc, il y a une urgence pour nous combler vite ça. Donc, du coup, acteurs viennent dans l'autre réalité. Non seulement il y a une bataille et que pour y être pour qu'il tape combattre l'administration Jovenel Moïse, a dénoncé les dérives, etc., etc. Mais je dis à une urgence et que pour nous mettons président, premier ministre. Donc, question vient encore plus complexe parce qu'on n'est pas préparé. Donc, entre-temps, il y a d'autres initiatives qui prennent. Eh bien, nous-mêmes, nous continuons, marcher pour la vie, continuons à encourager acteurs. Donc, d'abord, nous-mêmes, nous sommes facilitateurs, nous pas acteurs. Ou nous, c'est encourager acteurs pour être capable d'arriver à une solution unique. Pour qui ça? À longueur de journée, on a dit comme ça que bon, nous-mêmes, nous aimons le pays. Bon, moi, je m'étais d'analyse Marco, tout le monde aime le pays. Mais dans le concret, qui ça nous propose? Parce que le problème citoyen, ce n'est pas un accord le besoin. Il a besoin de sécurité. Le problème citoyen, qui ça le besoin? Il a besoin que droit le garantir. Il a besoin de justice. Il a besoin d'améliorer les conditions de ville. Ce n'est pas un accord le besoin. Accord, en théorie, c'est une étape qui dit voilà, à partir de ça, on veut cadrer la gouvernance de telle manière. Voici les responsabilités, voici la feuille de route, voici la mission que nous baille gouvernement intérimaire aux transitions pour nous arriver dans la normalité constitutionnelle. C'est ça le bail. Mais dans la pratique, population a besoin de ce que nous appelons l'approche fondée sur les résultats. C'est-à-dire, politique publique, action que nous avons posée, est-ce qu'il y a arrivé à résoudre le problème? Non. Bien sécurité. Est-ce que la population qui a voté l'école? Est-ce que les gens qui étaient objet de massacre ou de justice? C'est ça qui est là. Donc nous-mêmes, nous encourageons les acteurs à aller dans la voie ça. Donc je dis, hein, la réalité, c'est que ou gagnez plusieurs accords qui sont là, ou gagnez accords 30 ou de société civile avec des politiques que nous-mêmes nous encourageons, ou gagnez le protocole d'entente nationale, nous encourageons, ou gagnez. Et l'accord du premier ministre et de fait Ariel Henry. Donc on gagne trois positionnements ça et puis on t'a ajouté les non signataires sous ta prend bon jusqu'à présent nous que SDP a rapproché de accord PM non selon le dernier tweet qui fait là mais jusqu'à présent le pas signé. Donc là nous garder configuration et puis nous ajouter avec le Sénat donc 10 élus qui adopté sous ta vle une résolution yo dit eux même c'est président et président tiers Sénat restant Joseph Lambert qui pour assurer intérimaire. Donc nous-mêmes nous garder tout ça, on nous dit voilà. Et bien je dis à nous-mêmes qui tape un rôle facilitateur, nous dit nous proposer pour que gagner un groupe de travail inclusif qui gon représentant de chaque entité ça yo et que cap chita qui a vienne encore une pour qui ça manque. Fondamentalement c'est un problème de confiance qui posé. Parce que dès pour nous dynamique chita ensemble, nous ne pas faire l'autre confiance. Ça veut dire que même quand l'autre a de bonne foi, pas quoi. Or, comme nous-mêmes, nous partis de l'idée que les acteurs ont de bonne foi, parce que nous avons un rôle facilitateur, nous disons, ok, écoutez, je dis, en allant, solution win-win. Solution win-win, non, côté que, eh bien, nous, chaque désignons au monde, nous entrons dans l'entité, ça, et que nous venons encore, côté que, l'histoire pour retenir que, nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, à un certain moment de l'histoire, nous avons des difficultés, et que nous concluons ça, formule ça, à tes marchés. Mais attention, nous-mêmes, nous disons, l'accord n'est pas une finalité en soi. Accord pas une finalité en soi. Accord. Nous en avons tellement. De Mariotte à Jodia, nous tellement qu'on accord. Bon, même qui est journaliste. C'est n'a pas remonté depuis quatre, après, depuis État Pascal Trou. Nous avons accord. Ok, gouverneur Zalet, etc. Mais c'est n'a pas une période qui est un peu plus proche. N'a dit que de Mariotte à Jodia, nous en avons tellement les accords. Donc, c'est et pas accord, non, pas les problèmes pays. Non, problème pays. Lorsque nous avons de gouvernants, de monde qui est responsable. Donc nous-mêmes, nous encourager à que vous venez avec un accord unique pour cadrer la gouvernance, puisque nous avons un boglio juridique côté qu'on ne peut pas appliquer la Constitution. C'est une réalité. Parce que la politique suit sa propre logique, son réalité liée. Eh bien, faut que nous jouions nos formules. Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes nous proposer pour acteurs mettre tête ensemble pour venir avec un accord unique. Maintenant, pour nous continuer la démarche là, nous faciliter au travail là.
nous rédiger un document qui est titré analyse comparée des propositions de sortie de crise et perspective pour une proposition unique. C'est simple. Manko, où est-ce que les différentes propositions? Soit regardez l'orientation de la gouvernance, il y a même contenu. Qui ça c'est justice. Ouais. C'est créer des conditions pour qu'il y ait de bonnes élections. Un gouvernement inclusif qui inspire confiance. Et audit de la carte des malogues, conditions sécuritaires. En tout cas, c'est ça qu'il a dans le vraiment. Maintenant, qui compte au gain des accords, justement, c'est moun qui prône exécutif monocéphale, moun qui prône exécutif bicéphale. C'est là la première différence fondamentale. Une deuxième différence, c'est le mécanisme pour arriver à la désignation de cet exécutif bicéphale ou monocéphale. Donc, la commission propose un mécanisme qui a plus de 50 monde et puis, il y a plus prôné en sorte de consensus. Ça, c'est une deuxième différence. Troisième différence, c'est sur la durée de la transition. Donc, nous pensons que à partir de ça, nous disons que dans le document, ça, nous résumer toute proposition, nous dit chaque proposition, mais ça va proposer au plan économique, mais ça va proposer au plan politique, mais ça va proposer au plan social, et puis nous dit voilà, mais qui côté rejoignent fondamentalement, et différence mais qui côté lié. Et bien, chita pour travailler sur différence, non? Et bien, le SAN a capable de proposer à quoi. Donc, document de cadrage, ça, c'est un document de cadrage, ça facilite, si vous voulez, travail et groupe de travail pour arriver à document ou à accord unique. Ça, parce que je dis, ce n'est pas bizarre, demain, si je veux nous évoquer, il pourrait faire 2 ans depuis le président de fait Jovenel Moïse assassiné. Deux mois. Et puis, nous n'avons pas qu'à arriver à conclure encore. Donc, si nous n'avons pas arrivé à conclure encore, qu'est-ce qu'on va dire GVIA? Donc, ça veut dire que acteur ou gain intérêt, bon, c'est 2 mois après l'assassinat de fait président de fait Jovenel Moïse, et bien, il faut qu'acteur fait preuve de sagesse. Donc, on nous quitte arrogance nous de côté. Chaque groupe t'a aimé, c'est eux-mêmes qui gagnent victoire, mais malheureusement, on a une dynamique collective. Donc, ça veut dire que pour jouer nos solutions, il faut que politique, société civile, mettez-nous ensemble. Parce que nous-mêmes, nous estimons que nous marchons pour la vie. Société civile n'a pas qu'à remplacer politique. Ce n'est pas la même logique du tout. Ah. Société civile, société politique, c'est société politique. Maintenant, tous les deux, c'est acteurs dans la démocratie. Ils ont chacun un rôle. Qu'on a qui gens, société civile, capable aider politique. Parce que, gon réalité manko. Ou ka reprocher sauver avec politique yo, mais c'est yo gagné. À moins qu'on pral prendre classe politique européenne ou bien américaine nous mettez là. Elle n'est pas parfaite. OK? Donc on est pour capable composer avec ça gagné yo. Pendant n'a pas exercer pression en sou yo, n'a dit assumer responsabilité yo, mais nous même n'a mettre pas nous en dynamique, n'a porter contribution pas nous. Donc ça fait nous même nous parler de dynamique de complémentarité. Donc politique c'est lui même qui pour arranger le gouvernement avec solution, nous même n'a poussel, même j'en loi faire analyse campagne Marco, on m'a dit d'apparaître, mais c'est relou, c'est ça l'espace public. Ça dit débat, soit disant là, toute catégorie sociale a tendance à influencer pour le bien-être de la cité, de la collectivité. Donc, moi, c'est que c'est là pour établir une démarcation. Mais automatiquement, je vous chemin pas marché. Et je dis à un climat qui est établi côté que nous n'avons pas fait mon confiance, eh bien, meilleure option, hein, c'est à travers. Formule ça et que chaque monde désigne un monde, nous sorti un document unique côté que ces documents que nous-mêmes nous joignent entre nous, haïtiens. Le ça, ou qu'a toujours tap dit que coopération internationale là, livre toujours imposé à Haïti une solution, mais qui sont montrés. Par exemple, l'envoyé spécial, il a toujours dit que yo-même y a tant que haïtiens ou baillons encore, mais 2 mois après, n'a pas qu'à bailler. Donc, qu'on y a des bien sûr que nous montrer bonne foi nous à travers ce papier qui sont étapes entre guillemets théorique, le ça pour n'al poser les vrais problèmes. Parce que nous toujours dit que à quoi c'est et pas les pas le faire mon gars manger, et pas les pas la sécurité. Sécurité, c'est une action que nous allons poser. En fait, maître Gédéon, par rapport à l'exposé que vous faites, est-ce que travail ça qui t'a dû fait pour que bon décision qui prend pour n'avancer, est-ce que vous pensez rapport de force gain place li puisque nous connaissons que tout ça qu'a fait, une fois que y a deux parties qui en face, il y a un rapport de force. Cependant, je dis, le président Jovenel Moïse mourit. Maintenant, son accord qu'a cherché, surtout à travers un ensemble de monde qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et puis, quelques autres monde tout qui peut-être pas habitué de travailler. Mais est-ce que dans ce gain-là, vous pensez rapport de force qui place? Sinon, quelle autre stratégie que nous avons prioriser? Ok. Est-ce que rapport de force qui place?
Bon, si je mets dans la place, parce que je ne suis pas analyste politique, je vais essayer de comprendre. Les là-dedans, parce que c'est politique, c'est logique. Politique suit logique, pas. C'est un rapport de force, oui, gagne. Quand il y a là, comment capable entre guillemets neutraliser ce rapport de force? Et c'est relou Marco. Parce que politique là, c'est politique. Politique pas fait différemment dans l'autre pays. Nous sommes une institution pour neutraliser les gens, etc. Bon, pas arriver. Mais politique sont jeux d'intérêt. C'est ça lié. Qu'on a vu que politique là, lui-même lui dit que l'Ipral gouverner pour moi. Et c'est là que je gagne rôle. Parce que l'État, c'est moi-même. Souveraineté, ça a que libre à l'exercer, c'est pour contenir au sens de l'article 58 de la Constitution. Donc, décision le peuple va l'engager. Donc, du coup, nous-mêmes, quand nous devons rentrer dans ce jouet-là, pour nous dire politique là, ça doit faire comme ça, pour le bien-être du pays. Et c'est où la campagne? Parce que, ou à la fois, mon cap influencer, cap élucider, cap orienter le citoyen et le commandement mortel, mon son citoyen tout. Donc, ça veut dire, leader politique là, ou devons gonzer sur ça l'a fait. Donc, même pas, c'est que. Rapport de force a toujours là, de fait là, là, parce que la politique suit sa propre logique, même si nous connaissons que le droit international suit sa propre logique. Je m'appelle Kofi Annan qui te dit que le droit international, c'est ce que veulent les États, parce que ce sont les États qui définissent la règle du droit international ou la norme du droit international. Et bien, même si tout politique a une logique, monsieur, on a toujours discuté intérêt, mais qui le, yo pral, ou est nécessité et que pour mettre dans le premier plan intérêt, cité à collectivité, c'est lorsque Marco a suivi ça l'a fait. Lorsque alors c'était le sens de la question, mais ce que j'ai dit en Jean, c'est dans le sens que les acteurs politiques maintenant se mettent ensemble, donc c'est-à-dire c'est ça, on est pour tout mettre ensemble et puis pour une décision commune. Kounyen, si rapport de force joué, par exemple, monde qui a supporté peine, rapport de force, c'est eux qui remportent là avec accord par eux. Ariel Henry, il font accord lui-même monocéphale, il invite quelqu'un de venir comme le premier ministre, en fait bon appareil qui n'en mêle, donc rapport de force c'est lui-même qui passait, ou bien famille Lavalas et société civile qui signent on l'autre accord, yo je nous formule, yo dit ah comme bon problème avec les politiques en Haïti, donc c'est société civile, etc. C'est là, parce que rapport de force ça c'est pas dans le sens que comme Simdadou pas bien intérêt, mais c'est côté que intérêt en prenant intérêt de groupe, alors que crise qui vient aujourd'hui, hein. Tout le monde presque, si, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde comprend que si les acteurs politiques, chaque groupe, mettent ensemble, ils jouent une solution, ils pensent qu'à éviter une crise puis devant. Alors que si c'est rapport de force qui gagne dans cette guerre-là, ben finalement, 3 mois plus tard ou 4 mois, on va retourner dans la même année-là. Parfait. Eh bien, quand il y a une mission, ça concerne nous. Le rôle de nous-mêmes, c'est neutraliser le rapport de force. C'est-à-dire permettre que je dis en là et que d'abord nous faisons monsieur dame comprendre que pas grand monde qui a gagné pour contre lui. Ça c'est son premier. Deuxième bagage, faire comprendre que attention, payant pas pour moi tout, mais pour nous chaque qui là. Et ou même scoop dans le ça, il y a plusieurs millions de monde qui attend d'eau, et bien on va parler pour population tout faire comprendre ça. Mais ça va dire et attention petit pape. Décision à prendre, faut aller dans le sens intérêt collectif là. Et nous même marcher pour la vie. Nous c'est facilitateurs, nous partons du principe que les acteurs sont de bonne foi, nous partons de ça. Et bien qu'on y a la facilité, tout autant que nous nous positionné, pour nous-mêmes c'est une bonne chose. Pour qui ça? Je dis à, de 2018 à je dis à, toujours gain encore, mais grande évolution manque parce que acteurs commencent à bailler position. Je dis à ouais la valance. Les rapprocher de l'accord 30 août là. Selon tout mettant de Michel Fay, il y a rapproché de l'accord premier sans proposer. Il y a peine. Donc ça peut être que y a là ou capable de mieux articuler la compréhension de la réalité. Le ça pour moi des acteurs. Et bien voilà. Il y a 3 groupes qui positionnent société, toute bien société civile là d'ailleurs. 30 août bien société civile, société politique. L'accord du premier ministre, il gagne société civile et puis ses gouvernants. Et puis, peine gagne politique et société civile. Ou y a nous-mêmes, on nous demande pour nous rapprocher, pour capable mettre, quand même, mettre à un certain niveau, intérêt pays. Donc, nous-mêmes, c'est rôle ça que nous avons joué, parce que problème n'a posé à plusieurs niveaux. Je dis, on n'a pas une constitution, ou pas un gouvernant ou bien un gouvernement qui légitime. Donc, il faut qu'il y ait un accord. Ce que nous appelons en politique, il faut qu'il y ait une petite, entre guillemets, une petite constitution. C'est-à-dire un accord minimal, côté que nous dit, gouvernance, c'est comme ça qu'on doit aller. Mais accord, ça, c'est nous tous qui devons. Donc, pas un groupe, je veux dire, qui met le jouet là. C'est ensemble, il y a défini, document de Kadeja, cet accord, qui nous relève une petite constitution pour dire dorénavant, mais qui j'ai en gouvernance là,
a fait dans cette période exceptionnelle. Et voici les décisions à prendre pour retourner sous table, pour revenir à la normalité constitutionnelle. Donc, travail ça et campagne, nous ne pas plaguer la main politique seulement. Nous-mêmes rentrer dans jouet là, nous chacun a besoin de rôle. Par exemple, je dis, on met moi, j'ai un rôle, ou même avec et Gary, avec Marco, et tout le directeur d'opinion, yo, pour nous critiquer, yo, faire comprendre que nous avons suivi. Nous-mêmes, nous avons un rôle de facilitateur, et je pense que là, nous avons des amis de complémentarité. Donc, les acteurs, eux-mêmes, ils ont décidé, ils ont décidé dans ce sens intérêt, yo, pas de problème. Maintenant, les directeurs d'opinion qui disent, papa, attention, ça a dû faire comme ça, et même qui disent, voilà, nous allons faciliter les choses. Donc, imaginons si nous. Si nous prenons trois logiques, ça, yo, nous essayons de rapprocher, je pense que nous sommes capables de jouer au minimum. Parce que je dis là, nous ne pas quitter le pays, non mais en politique, non mais en monde, encore. Parce que je dis, nous sommes tous touchés par les. Nous tous touchés par les sécurités. Je dis à un pays qui a siégé. Dans le dernier rapport, cadre fait sous insécurité, nous posons peut-être nos questions. Et cela, nous ne pouvons pas aller vers un